Allô, Plomberie Express. Vous êtes toujours là? Oui, ma machine à laver est en panne. Est-ce que vous pouvez venir? Marque de la machine, numéro de l'appareil et année de mise en service. La marque? Eh bien, c'est une... Encore une qui connaît ni la marque de la machine, ni le numéro. Madame, le numéro, il est en dessous, à droite. Oui. Écoutez, je ne suis pas chez moi. Ah, zut, ne quittez pas. Allô, clinique Montségur? Madame, je sens les premières douleurs toutes les 5 minutes et demie. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, venez vite. Comment venez vite? Mais madame, je peux pas venir tant que j'ai pas le numéro de la machine. C'est pas dur à comprendre, ça, hein? Il me faut le numéro de la machine. T'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Mais je m'énerve pas. C'est toi que tu m'énerves en me disant de pas m'énerver, ça m'énerve, hein? Mais qu'est-ce que tu me fais manger? Mais c'est des merguez, ça? Ça, c'est des merguez? C'est des merguez en chameau, ça, c'est pas possible. Mais où tu les achètes, ces merguez? T'es un assassin, ce type assassin. Tu fais exprès de m'acheter ces merguez. C'est du bœuf, ça? Ça fait 8 jours qu'on vous attend. Oui, 8 jours qu'on m'attend, 8 jours qu'on m'attend. Vous croyez que j'ai vous comme client ou quoi? S'il vous plaît. J'ai ces 3 urgences pour venir. Si je garde les clés, c'est pour rendre service. Attends, moi aussi je rends service. Il y a des gens qui me pleurent, ils me pleurent pour que j'aille. Bon, alors où c'est que ça se passe? Dans la cuisine. Et la cuisine, où elle est la cuisine? Si je suis chez moi, l'architecte, c'est moi que j'ai construit la maison, la cuisine. Ça commence mal, hein? Ça commence mal, hein? J'en étais sûr. Quoi? C'est une américaine. Et alors? C'est une galère. Cette machine-là, c'est une galère. Moi, je peux le signer. C'est une galère, voilà. Écoutez, je comprends rien à ce que vous me dites concernant les multinationales. Une multinationale, c'est une machine comme votre machine. Mais pour votre machine, il va falloir que je commande une pièce en Allemagne à une usine qui travaille sous licence américaine. Et des fois, ils n'ont pas, parce qu'ils m'attendent pas, moi. Et oui, parce que s'ils attendaient que moi pour vivre, alors il faut qu'ils appellent des fois leur succursale à Bruxelles ou à Londres ou à Norvège. Alors, d'ici qu'elle arrive, cette pièce, voilà, il y en a exactement. Et oui.